Ah, c'est trop bien, c'est le meilleur truc. L'atterrissage, c'est le meilleur truc. Ok, passons maintenant à ton avion d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi juste déficeler la barbaque un peu là, parce que c'est... Alors fais gaffe, Xari, il y a moyen qu'il y ait une petite dinguerie qui sorte à un moment oui, donné. Alors par contre, Max, je tiens à remettre les choses et les pendules à l'heure. Voilà, on me fait une réputation de gros pétomane sur le stream depuis maintenant 3 ans et ça commence un petit peu à me poser sur le haricot. Hier soir, Max, grande soirée, lancement PlayStation 5, et le mec décide de lâcher tout le repas juste avant le lancement du générique. Une odeur impardonnable. Et derrière, c'est moi qui prends, donc je tiens quand même, s'il vous plaît, à rétablir un petit peu la vérité. Le truc le plus simple, parce que je vais aller très très technique. Vous m'arrêtez au moment où je deviens complètement imbitable. Stop. Parce que là, c'est une chronique que non. Mergin, d'où ça vient ce pseudo? Eh ben, c'est tout bête. Je m'appelle Germain en fait. Norman, d'où te vient ton pseudo? J'avais un t-shirt avec marqué Genius et. Non, Norman, ton pseudo Norman. Ah, j'avais un t-shirt marqué. D'ailleurs, on dit Épion ou Épionne? Épionne, techniquement. Excuse-moi, je t'ai appelé Épion toute la soirée. Et tu viens de l'échiquier, non? Hein? Oh là là! Oh là là! C'est une chanson en anglais. Nous sommes tous sortis à Montreux. Au bord du lac Léman. Faire un enregistrement avec un mobile. De la fumée sur l'eau, un feu dans le ciel. Ah, smoke on the Deep water. Purple. Smoke on the water. Ça fait comment? Smoke on the water. Quelle était la profession d'Andy Warhol? Il est travaillé dans la pub. Oh non, attends, j'ai appuyé là. Photographe? Mais non, putain, oui. Je tente des trucs. Oui, c'est ça. Mais non, Andy Warhol. Il reste que toi. Il était videur à Franprix. Et je tiens à répondre dans le chat, non, ça n'est pas une rediff, mais c'est vrai que c'est une idée. Ah, mais pourtant, je fais attention à changer de fringue à chaque fois dans toutes les émissions. Là, j'ai même changé de béret pour l'occasion. Comment tu peux dire que c'est une rediff? Parce que Sylvain dit toujours les mêmes conneries à chaque émission. Probablement, et Ken dit toujours qu'il est d'accord avec moi. Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi. Un autre bon lundi? Un réveil difficile. Attends. Norman sur le plateau. Je savais. Faut un peu les tirer vers le haut parce que sinon on va se retrouver dans 6 mois, 1 an. On se retrouve qu'avec des émissions ou avec des vidéos comme ça. T'as raison que j'arrête de gueuler. Moi je suis dans ton équipe. L'émission dans 1 an elle ressemble vous à comment ça va bien. Ah, moi j'ai rien prévu. Voilà. Depuis quand il y a une chronique qui est prévue pour moi? Vous voulez pas que je prépare une chronique? Vous voulez pas que je bosse? Que je vienne, que je dise des conneries, que je vous raconte mon week-end. Et que je me retrouve pas avec une chronique. Ah, mais je fais pas ma chronique parce que là ça va mal se passer. Là. Ça va, t'es bien avec Dina? Bon, je suis avec Dina, franchement elle est sympathique. Te parle pas à ma place, ok? Voilà, il est déjà plus marrant avec Dina qu'avec toi. Il dit que j'ai pas de cerveau, mais en fait, il me l'a jamais parlé. Comment dit-on bienvenue en anglais? Oh non! Welcome! Ouais! Pour ceux qui ne savent pas, je suis bilingue. Et en arrivant chez le stream, je me suis dit, bah forcément, les mecs, ils vont tous m'appeler Genius. Et en fait, tout le monde m'appelle Norman. Ah, t'as fait de la compète en plus? Ouais, moi j'étais en mode desserto, tout ça. Attention, du level. Et ta voix me perturbe de ouf. Je me dis, mais. C'est normal. Pour moi, c'est pas ta vraie voix. Mais en fait, c'est sous le masque. J'ai un mode comme mais dans Mais Peter jeu. Parker, mais qu'est-ce que tu fous ici? Où se trouve le Big Ben? Quoi? À Londres? Oui! Marche pas cette merde. C'est bah là, il va bien marcher. Non mais ça me va pas là cette merde. Gros, ça coûte cher. Eh ben je le paierai, ce sera revenu sur ma facture, on m'en bat les couilles. Mais putain calme Hugo. Alors que la GameCube avait le droit à un Resident Evil remake, la Xbox a eu Dino Crisis 3. Le pitch, c'est des dinos dans l'espace. Mais oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé, quel enfer. Voilà, regardez bien, attention, quand tout d'un coup, direct surprise. Il l'avait pas vu, il était caché. Il y a la gige. C'était bien le mobile? Oh trop bien. Tes cheveux, comment ça va? Ça repousse là? Toujours pas drôle le mec. Je fais une petite dédicace à toi Norman, j'ai renommé ce truc le Caprice. Elle est très bien. Tiens. Voilà, la dernière seconde qui le sauve. Ouais, le clutch. Tous les membres de la First Team avec Polo et Erwan, bonjour messieurs, comment ça va? Ça va très bien. Je veux commencer cette émission avec un dicton. On ne change pas les rayures du zèbre, messieurs. Ouais. Voilà. T'as un dicton aussi, Polo? Non, aucun, je marque. J'en ai un autre, parce que tu veux, qui se couche avec le... Pardon. Ah, et on a oublié de le saluer, mais il y a Étienne aussi derrière. En vrai. Ah, salut Étienne. Oui, bonjour. Salut Étienne. Bonjour. Oui, bonjour. Du rire et du rock avec Étienne ce soir. Il est mort de rire. Je vois un ours, la taille Maxime Tchao. Oh, bien joué. La taille de mon pouce, c'est le numéro uno. Ah ouais. Il y a des feuilles, du soleil, de la lavande. Tu tires de la feuille. J'ai pas le dernier. Honnêtement, ouais. La jungle, ouais. C'est Astro Broken. Non. Non, 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 non. Toutes les Game Day Worlds, c'est support diff. Hein. Ah bon? Oui. C'est faux.
C'est vrai. Ouais, mais toutes non, les games des World, World là. C'était top lane diff. Les jungle étaient obligés de faire des full clear pour avoir de l'impact. Mais tu es fou, Chap. Mais toi, tu es délusionnel. Tu es totalement ravagé, Chap. Attention, nous ne sommes pas dans un débat. Merde aussi. À la fin, merde. C'était bot gap support. Mais j'ai casté les games. C'était ouais, jungle aussi, et top diff. Non. Et l'autre truc, c'est qu'on arrive dans un autre débat que je maîtrise pas assez, donc on va sans doute passer à autre chose. Mais c'est que il va falloir petit à petit, au fur et à mesure que les humains vont être remplacés par des machines. Tu es les vieux. Alors non. Non, Étienne. Est-ce que ça vous arrive de mettre le son à fond dans votre voiture, les gars? Oh, vu que je mange full bouchon, bah après je m'ambiance dans ma voiture. Il m'arrive même de danser dans ma caisse. Il y a Gastronomique qui avait un message pour toi, Nanix. Écoute. Ceci est un message adressé à tous les kékés qui font pulser les décibels dans leur habitacle de telle sorte que toutes les personnes à 12 km à la ronde entendent la musique de merde qu'ils écoutent. Allez donc vous faire cuire le cul. On repart sur notre cuisson. Alors. Je viens d'avoir un truc qui a frappé mon esprit et j'ai la vérité. Les jungles sont des gankers qui ont besoin de farm. Les supports sont des gankers qui n'ont pas besoin de farm. Du coup. Ok, Alderaan, donne-moi broken. Du coup, support top. Du coup, jungle broken. Pourquoi? Parce que les jungles est un champion qui peut one shot. Tu joues contre Graves, tu ne peux pas le tuer et il te one shot. Rakan, bro, il arrive niveau 2 sur la lane en top, il me tue. Je crois qu'il y a un peu de mauvais foi. L'autre jour, Tréton, je joue au LAV, j'étais niveau 2 full life. Un Thresh arrive, niveau 2, il me met un grappin. Il a même pas eu à réactiver, le grappin m'avait tué à lui seul. Donc j'ai récupéré le logo, le stream qu'on va... Le logo un peu dégueu là. J'en ai pris un sur Google, je l'ai augmenté. Ouais. Fallait demander... On a la graphiste en face qui peut te le filer. Tu dégoûtes. Ce n'est pas le dernier logo, le stream. Parce que le dernier logo, le stream, il est un petit peu sombre et du coup, ça va pas pour la... parce qu'en fait tu n'as pas de ok tous les jours qu'est-ce qui se passe tous les jours c'est mon rendez-vous c'est mon je prends mon camion je roule sur l'autoroute et je me fais un casse-croûte les frigos de la Vega. Mais on sait lire gros on est là il y a des étincelles et derrière mais non mais quel énorme j'en peux plus frère c'est pas les meilleurs ils sont pas jeu. Insane les mobs non clairement pas les mobs il a eu une étincelle mais oui il a eu une étincelle gros c'est grave quand même très jaloux parce que le seul jour où je suis pas là Xari a fait un ho ho et tout le monde a répondu du tac au tac. Donc on va inviter plus souvent Rofelos et Rofelos, c'est un très bon élément. Le truc, c'est que Rofelos, c'est un... il a la joie de vivre. Bah ouais, mais pas le style. On va continuer un petit peu avec... Bleu azur. Moi je le redis encore une fois, tu mérites un M. Je rigole pas. Menro, qui est un vieux monsieur, on le sait, hein. Si vous n'en étiez pas sûr, eh bien on a des preuves puisque ses collègues s'amusent à prendre des photos de lui en train de chercher un emoji. Le vieux monsieur. Évidemment. Non, c'est une honte. Il n'est pas d'accord. Les règles du jeu, effectivement, on va jouer à NDA, Non-Disclosure Agreement. Oh là là. NDA 2K. Qu'est-ce qu'il y a? T'es là, tu fais un TikTok en live là. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est ma petite sélection de cadeaux à tous les prix. Xari. Moi j'avais pas trop d'idées parce que vous savez, je suis pas trop un bon gifter. Mais quand même, j'ai trouvé une petite idée, petit cadeau tout simplement, un abonnement à ma chaîne Twitch. Hein, vous pouvez faire un T1, même peut-être un T2 pour faire tourner la Xari roulette. Je suis né dans la jungle, je suis né sous X, un petit singe. J'ai mangé des glands, des feuilles dans les lacs de la rivière. Depuis que je suis à Paris, je bois du café dans une petite théière. Je suis un Nous sommes avec ce cher Hugo, comment va-t-il? Bah ça va, puisque qui dit vendredi dit Marie, dit Itadaki Magaga. Donc c'est forcément le pire. Je fais tout le truc directement. Le test, hein. je TP. Juste pour savoir, mes dialogues, vous en avez rien à foutre. C'est juste pour savoir. Ah bah là, on voulait... Écoutez, pour faire plaisir à Donald, mettez en full screen et on sautait juste le temps de la cinématique. Pour faire ce qu'on retrouvera dans 10 minutes pour sa propre chronique. Et non ça, c'est ça, diabolique. Il va nous parler de jeu de société. Évidemment. On dirait. Allez, on parle un peu. Alors, c'est les news que Hugo avait préparées hier, mais qu'on n'a pas faites. Donc, évidemment, ça joue à Tekken à ma gauche. T'as fait quoi de ta part ces deux-là? Parce qu'on parle de Tanguy, on parle de Jason Bourne. T'as fait d'autres figurations ou pas? Tu sais qu'il est pressenti pour le nouveau James Bond. Ouais, il y a... Attends, c'est même pas Attends, où t'es. Mais c'est à toi, t'es où là? Je suis derrière. Tu sais, il y a combien d'années? Mais non, mais je te reconnais pas. Là, c'est moi derrière avec ma femme, là, sur le banc. Là, tu me vois à droite. Oh là là, oh là là. On va vous le diffuser tout de suite. Je vais lancer une game. On va partir directement là en jeu. Je veux pas présenter l'émission plutôt. Attends, je finis juste la game. Ouais, mais gros, enfin, on est en M là. Non, franchement, je vais gagner vite. Je pense que je vais. Attends, juste vite fait, vraiment. Enfin bref, faut que je bouge quoi. Ça fait longtemps que je suis là. Bon, enfin, il est minuit là quand même. Actor Studio. Bravo!
Hector Studio. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Ah ouais, ça, c'est pas ça. C'est validé. Qu'est-ce qu'il en pense, Chao? Pardon, j'ai pas regardé. Ouais. C'était sûr, mais c'était sûr.